Allez, salut à tous. Grosse surprise avec la victoire de Dustin Johnson aujourd'hui au Masters. Salut Greg, salut Martin. Salut JP, salut tout le monde. Salut messieurs. Bon, c'est sûr que le suspense n'était pas à son paroxysme aujourd'hui, même si on avait eu quelques moments où Cameron Smith était un peu en chasse, on va dire, mais finalement, bah voilà, Dustin Johnson, beau champion en moins 20, c'est historique. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est tout en contrôle. Et voilà, j'en perds mes mots. Il n'y a pas eu de suspense. Ouais, t'es pas loin de la vérité. Il n'y a pas eu de gros suspense. Il n'y a pas eu de gros suspense. Ouais, on va dire que quand même, le début de partie, les 4-5 premiers trous, justement là où on se disait hier, dans le débrief qu'on a fait tous ensemble, on se disait que ça pouvait peut-être commencer à sentir un peu le roussi pour DJ. Et c'était aussi l'important pour lui de bien commencer cette partie à Augusta. Bah, ça ne s'est pas si bien passé que ça. Et il a perdu pas mal de terrain en 4-5 trous. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, oula, si ça continue comme ça, il peut se passer quelque chose. Mais c'est clair qu'il a rapidement fermer la porte aux alentours du 6, j'ai envie de dire, Greg. Toi, tu me parlais tout à l'heure du 7 qui t'a particulièrement étonné, j'allais dire astonished, comme ils disent là-bas. J'en perds les mots en français. Le 7 était très bien joué. Le putt du 3 lui donne pas mal d'air. En plus, il rentre assez vite, ce putt. Donc, s'il n'était pas rentré, il aurait eu un peu de délicat, je pense, derrière. Bon, la question ne se pose pas. Il a fait un putt parfait, une ligne parfaite, agressif. Et puis ce coup fabuleux au 6 qu'il a pas définitivement, mais qui lui a donné vraiment ce petit coussin confortable. Il loupe le coup au 7, donc là on se dit, parce qu'à ce moment-là il loupe quand même pas mal de fairway, hein, par rapport à hier, c'était un récital. Sur son driving, là il commençait vraiment à montrer des signes de faiblesse, en tout cas c'est ce qui paraissait. Et ce par au 7, moi je le trouve magistral, parce que au mieux il passe entre les deux bunkers, il fait un coup magique, peut-être le coup de la semaine. Sinon il se met dans l'un des deux bunkers, il sait qu'il a une sortie assez facile, il est confiant, sûr de lui, il fait un très bon par, et puis après c'est parti. Et puis le chip du 11 pour moi montre encore une fois sa sérénité. Et puis derrière il était tout en contrôle. Mais surtout Greg, on a vu aujourd'hui des conditions, on en parlait hors antenne, mais on va dire d'un Masters plus classique les jours d'avant. C'était un peu plus compliqué, il y avait un peu plus de vent. C'était pas le Masters qu'on avait vu les 3 premiers jours. Ouais, ça, c'est vrai que de toute façon, plus les jours sont passés, plus les greens ont été rapides. Ces positions de drapeau du dimanche, on le sait, hein, sont quand même délicates. Et on a vu pas mal de putts assez frileux qui, malgré tout, avaient tendance à pas mal dépasser les trous et à laisser des putts assez compliqués aux joueurs qui voulaient être un peu trop agressifs. Mais bon, c'était probablement la journée la plus délicate à gérer pour ces champions, mais c'était quand même assez soft. On a quand même vu beaucoup de balles qui réagissaient assez bien sur les greens quand même. Ouais, les pentes, on avait l'impression que les pentes étaient un peu plus marquées que les 3 premiers jours, tout simplement, quoi. Oui. Hein, de toute façon, on sait que c'est vraiment à ce niveau-là que les choses se compliquent pour ces joueurs, et c'est là où on voit toute la magie de certains coups. Et moi, ce chip au 17 de Fritelli ou au 15 de Im, quand il est presque dans l'eau derrière le green, ces 2 coups sont absolument fabuleux, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment des joueurs qui maîtrisent totalement leur sujet, pas forcément que sur le grand jeu. Alors Dustin a maîtrisé à peu près dans tous les compartiments, hein, c'est pour ça qu'il est autant d'avance et qu'il bat tous les records, hein, puisqu'il établit un record sur ce tournoi qui est quand même… qui avant était co-détenu par Tiger et Jordan Spieth. Voilà, exactement. Et qui est explosé de 2 coups. Et je crois que l'un d'entre nous avait d'ailleurs le bon pronostic hier. Je ne sais pas qui c'est. Pour une fois, Martin, c'était… Ouais. Pour une fois, c'est moi. C'était bien. Ouais, tu vois, quand il a commencé à faire ses lay-up, là, je pensais qu'on avait bon avec moins 18, mais… Non, il wedge hyper bien. Mais t'es obligé, quand tu tapes aussi fort la balle, si tu veux dominer ton sujet, t'es obligé de bien wedger, parce que t'en auras beaucoup à faire. Mais donc, est-ce que justement, Greg, c'est pas là où il y a une énorme différence entre le DJ d'il y a peut-être, presque 3-4 ans, et le DJ d'aujourd'hui, Augusta, qui est quelqu'un, évidemment, voilà, il a pris en âge, il a pris en maturité, il a pris en expérience, il est numéro 1 mondial. Mais archi numéro 1 mondial depuis les 6-7 derniers tournois qu'il joue. Et là, on l'a senti excessivement malin stratégiquement, et en particulier Augusta, qui a un parcours où dès qu'on veut essayer de trop aller grappiller des trucs, on se fait punir la tronche. Martin, tu veux dire qu'il a joué avec sa tête, c'est ça ? Je veux dire qu'il a joué stratégiquement, oui, avec sa tête, ouais. Oui, il a joué avec sa tête malgré tout en respectant son jeu, parce qu'on voit au 17 et au 18 de bombes au drive où il lâche tout. Alors certes, il a 4 ou 5 points d'avance à ce moment-là, donc il n'y a pas de souci, mais c'est à peu près comme ça qu'il a géré quand même tout son tournoi. Je pense qu'il a probablement appris de toutes les déconvenues par lesquelles il est passé, et il en a connu quand même pas mal, notamment en majeur. Il avait quand même gagné qu'un seul majeur, entre guillemets. Pour un joueur de sa trempe, c'était vraiment peu, et d'ailleurs 2, c'est toujours assez peu. Et on se dit que les années à venir, s'il continue à aller dans ce sens-là... tu penses qu'il y a un déclic là, clairement? Il y a un déclic majeur pour moi, le déclic, il n'est pas sur le Masters, il est sur 2020. Quand tu vois les résultats qu'il enchaîne, la FedEx, c'est une saison du coup parfaite parce qu'il gagne un tournoi majeur. Alors juste pour la petite info, pour les petites stats, on a compté, il avait fait 10 top 5 en majeur, 5 deuxième places en majeur toujours, dont 3 entre l'an passé et cette année. Donc ça montre clairement une montée en puissance en majeur de la part de Johnson, quoi. Oui, bon, c'est incontestable. C'est sûr que, puis à un moment donné, tu peux pas. Quand il termine 2e, 3e, c'est qu'il quelque part il mérite de gagner aussi. C'est juste qu'il y a un mec ou deux qui sont plus forts que lui et qui, au bout du compte, tiennent le trophée. Mais en termes de jeu, en performance pure, c'est la performance d'un vainqueur de majeur quelque part. Donc là, maintenant, il a réussi à mettre toute la concurrence à quand même 4 coups. Il l'a maîtrisé. Tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en avait un ou deux qui revenaient à 2-3 points, lui faisait ce qu'il fallait pour le remettre à 4, 5, et finalement ils n'ont pas vu le jour, même s'ils ont très bien joué, hein, parce qu'ils ont quand même fait 2 super parties. C'est ça qu'il faut. D'ailleurs, on peut les remercier pour avoir tenu un peu la barre, tenu un peu la barre et laissé entrevoir peut-être une remontée et mettre un peu la pression sur Johnson. Mm-hmm. Surtout, je trouve Cameron Smith, hein, qui a vraiment animé cette journée avec des recoveries de dingue, hein, au 7, au 9 et au 15, là, qui a fait des birdies dingues. Il a joué un petit peu comme un Ballesteros pouvait jouer à l'époque. Le mec loupe un coup, se retrouve dans une position pas possible et sort avec birdie. Et ça, c'était hyper plaisant. Im, je trouve qu'il a été parfait, hein, il a joué très très bien en golf. Et ils ont tenu la dragée haute malgré tout, même si Dustin gagne avec 4 coups d'avance, ils ont vraiment... 5 coups d'avance. 5 coups d'avance. 15 contre 20. Ouais, c'est chaud. Même s'il y a 5 coups au bout du compte, je trouve que ça a été une belle journée de golf et finalement, il s'en est plus passé qu'hier pour moi. Alors messieurs, est-ce que justement DJ, ça y est, c'est pareil, il est parti pour vraiment dominer le golf mondial? Là, il est numéro 1. Est-ce que pour lui, c'est parti et on peut voir une domination d'un Johnson au cours des années à venir? On ne va pas dire comme un Tiger à la grande époque, mais s'en rapprocher. Et pourtant, moi, j'ai presque envie de dire que c'est presque Tigeresque, hein, ce qu'il fait depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Enfin, je veux dire, on le répète, hein, sur ces 6 derniers tournois maintenant. Donc, c'est PGA Championship 2e, Northern Trust victoire, BMW Championship 2e, Tour Championship victoire, US Open le dernier 6e, Houston la semaine dernière 2e et Masters 1er. C'est quand même la pire performance qu'il fait depuis 7 tournois, c'est 6e, quoi. Et tu vois les champs de joueurs, tu te dis mais non de Zeus, quoi, c'est quoi cette et surtout c'est la manière, en fait, c'est toujours cette espèce de golf. C'est exactement ce qu'on disait un petit peu hier avec Greg, c'est ce côté un peu à la fois très puissant, très, très athlétique, avec des gros drives, mais avec une espèce de capacité et à contrôler ses effets, et donc à maîtriser ses profondeurs et ses trajectoires, et puis à être de plus en plus stratège et à être de plus en plus serein par rapport à ce qu'il sait faire, à ce qu'il peut faire. Ouais, c'est redoutable. Il est un peu même sans émotion. Et il l'a toujours été, ouais. Oui, il a toujours été, mais là, on a l'impression vraiment qu'il débranche le cerveau et ça y est, quoi. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur de gagner, on va dire, même si ce terme, je pense que vous les golfeurs, Greg, toi le premier, vous n'aimez pas trop ce terme-là, la peur de gagner, mais il a chassé tous ses démons, quoi. Ouais, mais c'est aussi probablement grâce à l'expérience qu'il a emmagasinée ces dernières années. C'est vrai qu'on se sent extrêmement serein. On l'a toujours un peu senti avec cet état d'esprit, c'est sa manière d'être, ce côté un peu nonchalant, cette marche un peu, un peu en dilettante. Mais bon, au bout du compte, c'est évidemment un énorme champion, un athlète incroyable. Il fait partie de ceux qui dominent le golf quand même depuis maintenant 10 ans, hein, 8-10 ans, incontestablement. C'est vrai que là, il aurait tendance apparemment à se décrocher du reste de la meute. peut-être pour dominer ce sport pendant un bout de temps. Mais bon, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. On va voir ce qui va se passer dans cette prochaine saison, et notamment à Augusta bientôt, hein, puisqu'on y est bientôt, et voir comment il va défendre son titre. Et puis, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont vouloir aller le titiller. Justin Thomas fait somme toute une saison incroyable, fait pas un mauvais Masters, s'il est passé un petit peu à côté, mais bon, il a quand même une grosse concurrence autour de lui. Il va falloir qu'il tienne le rythme, mais c'est vrai que là, s'il continue sur cette lancée, il va être très dur à chatouiller, ouais. On parlait justement du champion. Forcément, derrière le champion, il y a tout un staff, notamment son coach. On le sait, hein, Butch Harmon et Claude Harmon. Ça fait également partie de son histoire et du fait que il soit le Dustin Johnson qu'il soit devenu, quoi. La patte Harmon, on la ressent vraiment dans ce joueur. Martin, la patte Harmon, Martin, on pourrait peut-être en parler un peu mieux que moi. Je sais pas trop. Mais tu vois, Greg, on en parlait hors antenne de ce côté. Voilà, il l'a pas forcé à jouer en fade. Il lui a mis l'idée dans la tête. Il lui a dit, vas-y, joue-en quelques-uns au practice de temps en temps. Et finalement, c'est lui-même, DJ, qui s'est dit, ça marche vachement bien. Je vais l'utiliser tout le temps, quoi. Cette faculté à faire passer un message, à trouver les bons mots, c'est la puissance d'un bon coach. Oui, je pense qu'un coach peut se brûler les ailes à passer un peu trop en direct avec ses joueurs, un peu trop en forcing, à imposer les choses. Je pense pas que ça soit forcément une très bonne chose. Il faut beaucoup de psychologie pour bien enseigner enseigner ce sport, avec et notamment avec ces grands champions. Il faut forcément passer par certains chemins pour pouvoir faire à son joueur ce qu'on a envie, sans forcément lui dire en face. C'est à peu près ça le cheminement. Ça arrive vraiment assez souvent. Et c'est apparemment ce qui s'est passé avec Dustin, puisque je crois que Butch Harmon, c'est ce que vous disiez un petit peu plus tôt, lui a suggéré effectivement de passer par tel et tel chemin, d'essayer cette trajectoire, alors qu'au fond de sa tête, c'était probablement extrêmement clair, extrêmement défini. Et aujourd'hui, Dustin, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais peut-être qu'il joue en pensant que c'est lui qui a mis en place ces choses, alors que derrière, il y a un coach, un très très grand coach, d'où l'importance d'un très bon entourage, bien sûr, qui a su lui insuffler sa patte et sa manière de voir le golf. Et une grosse info très importante. Vas-y, Martin. C'est pas une grosse info, c'est une vraie grosse précision, parce qu'évidemment, il est passé par l'écurie Harmon, père et fils, donc Claude et Butch, mais Guillaume Biogeau, qui regarde ce live et qui a l'œil aiguisé, nous fait remarquer que son vrai coach, c'est Alain Terrell. Et Alain Terrell, en fait, c'est le directeur du coaching des académies Dustin Johnson. Et donc, c'est maintenant lui son vrai mentor, son vrai coach, là, actuellement. Mais c'est vrai que la patte Harmon, elle est très intéressante sur le côté... inception, sur le côté, comme tu le disais très bien, Greg, c'est pas évident de coacher ce genre de joueurs qui ont des capacités à la fois complètement folles et qui ont un niveau de jeu qui est complètement ahurissant. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est l'histoire de comment il est arrivé à venir à jouer en fade, parce que c'était un joueur de draw à la base. C'est un vrai joueur de draw qui faisait des grands draws très puissants. Voilà, il est très puissant, et puis il avait du mal au bout d'un moment, je crois que c'était en 2013 ou quelque chose comme ça, à contrôler en particulier son driving, comme par hasard. Et ses coachs de l'époque ont un petit peu inceptionné, j'aime bien ce mot-là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous voyez ce que je veux dire, Inception, le film, tout ça. Tu sais. Oui, il a mis la petite graine dans la tête. Et en gros, c'est un hiver, il se retrouvait chez lui au Sherwood Golf Club, et il s'est mis dans la tête tout seul un matin en se disant, tiens, je vais jouer ce coup-là en fade, puis ça a bien marché. Tiens, je suis là aussi, très bien. Et le lendemain, il s'est dit, tiens, je vais jouer tous mes coups en fade. Il a fait des bonnes parties, etc., etc., etc. Et c'est de là qu'est arrivé vraiment ce côté... power fade qui maîtrise à la perfection depuis, et en particulier sur ses mises en jeu, ça s'est bien vu en particulier cette semaine. Martin et Greg, tu confirmeras, mais en France, Benoît Ducoulombier, il a un peu aussi cette philosophie, il est un peu psychologue avec ses joueurs, quoi. C'est totalement sa patte là, quoi. Oui, je peux évidemment parler de Benoît, pas des autres que je connais très bien, mais avec qui j'ai pas forcément travaillé. C'est vrai que Benoît, c'est exactement ça, il va vous faire passer par certains chemins pour arriver à ce qu'il veut, sans forcément vous le dire au début de la séance. Mais le but pour lui, c'est pas de vous mettre le poignet exactement comme il veut. C'est que le cheminement se fasse naturellement. C'est pas de faire le swing et de chercher le poignet ici. Donc, il va peut-être partir de la trajectoire de la balle, il va partir de la posture, du take-away. Mais finalement, toute cette recherche, et parfois d'ailleurs, il va pas forcément tout de suite au bon endroit et de la bonne manière. Par contre, très souvent, il met dans le mille à un moment ou à un autre, et on en rigole presque parfois parce qu'il dit, il te regarde, il dit, je t'ai bien eu là, hein, parce que regarde ton poignet là-haut. Je t'en ai pas parlé une seule fois pendant la séance, mais regarde comment il est ton poignet. Et c'est vrai que c'est ce côté, moi, que j'aime beaucoup, qui parfois m'exaspère, et on a des mots de temps en temps ensemble. Je peux pas lui, parfois je lui dis, tu veux pas me le dire directement, de le mettre comme ça. Il me dit non, parce que ça sera pas la même chose. Je veux pas que tu le mettes, je veux que tu y viennes, en fait. Et c'est toute la subtilité des entraîneurs, des coachs de très haut niveau qui, en tout cas pour le cas de Dustin Johnson et de tout un tas de pros, travaillent avec des voitures de course extrêmement performantes. Et on s'y prend pas avec ces joueurs-là comme on s'y prend avec la plupart des joueurs. Et c'est pas pour rien que ces coachs, et notamment évidemment le père et le fils Harmon et d'autres très très grands coachs sur la planète sont les meilleurs. C'est parce qu'ils ont aussi une très très bonne psychologie et une très très bonne approche des choses. Allez, messieurs, on va revenir. Il y a aussi un truc qui est vachement important aussi pour expliquer un peu l'évolution de ce joueur-là, de Dustin Johnson, c'est évidemment l'entourage proche qu'il a et qui est pas n'importe quoi, parce que il est marié. On parle de Paulina là. Ouais, mais en particulier de son père, Wayne Gretzky, qui est quand même un immense champion de hockey et qui a quand même une façon de l'amener lui vers le haut niveau depuis 2011, 2012, voire 2013, et de l'amener à son beau-père qui l'amène à se structurer comme il est structuré aujourd'hui. Mine de rien, ça joue. C'est pas aussi anodin qu'il est Austin Johnson, son frère au sac, depuis 2012 ou 2013. Ouais, d'ailleurs, c'était assez décrit aussi à une époque. On se disait, je me souviens même quand il avait perdu à Chambers Bay, que c'était un peu la faute de son cadet, quoi. Ouais, c'est lui qui tire les shots à la base, donc bon. Mais c'est sûr que ça a pu jouer, mais voilà, c'est pas anodin tout ça, et c'est intéressant aussi de voir tout le travail qu'il a évidemment amené sur la maîtrise de ses profondeurs, en particulier au wedging sur les dernières années où il travaillait avec Harmon. Toutes ces choses-là qui se mettent petit à petit, bout à bout, font que on a le joueur quasi parfait d'Augusta aujourd'hui, quoi. Allez, messieurs, on va revenir, on va continuer notre débrief du Masters. Martin, je crois que pour aujourd'hui, pour notre instant gagnant, instant cadeau, vous avez attention, est-ce qu'on a un petit jingle? Hier, on avait le marque-balle, aujourd'hui, c'est encore mieux. Le lave-balle. Non, c'est pas le lave-balle. C'est pas n'importe quoi. Non, c'est pas le lave-balle. Royal le Martin. Royal. C'est le bag tag, messieurs, dames. Eh ouais. C'est un vrai du Masters, je crois, ouais. Acheté Augusta, il y a même le prix au-dessus, mais j'ai déchiré le prix pour pas que ça, si c'est un cadeau, on met pas le prix. Voilà. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ça vient de la cave à Momo, de ma cave à moi, hein, c'est cadeau. Allez, messieurs, on continue le débrief. Évidemment, on va parler de Rory. Rory qui peut bien s'en vouloir de son premier tour raté. Voilà, Rémi, si tu peux nous passer, Rémi qui fait la réalisation, Rémi Rivière qu'on salue, merci beaucoup Rémi, tu gères grave. La décla de Rory après ce Masters, qui était un peu déçu, mais finalement content de son tour, parce qu'au finalement il n'a pas fait de bogey, il a fait que 2 bogeys depuis son premier tour, donc il était plutôt satisfait. Donc Rémi qui passe la décla, j'ai pas fait un bon départ, mais j'ai bien réagi globalement, je me suis senti beaucoup plus relax que les autres années, c'est sûrement la clé pour ce tournoi, peut-être qu'il a trouvé quelque chose Rory pour... Mais le souci c'est qu'il trouve toujours la clé une fois qu'il a fait une bouse, c'est très méchant à ce que je dis, mais Rory c'est quand même l'un des rares joueurs qui est d'une honnêteté dingue, et c'est tellement un caviar pour nous de notre côté Rory, parce qu'il dit toujours... mais vraiment ce qu'il ressent, et je me souviens d'une année... D'ailleurs, on se souvient à Portrush, je ne sais pas si tu te souviens... mais en particulier au Masters, c'est quand même le seul joueur qui est capable de te dire, moi au Masters, je perds 3, 4, 5 kilos dans la semaine du Masters, tellement je me bouffe les ongles parce que j'ai un stress de dingue, donc ça veut tout dire pour lui, quoi. Ce tournoi, c'est le seul qui lui manque à sa rotation, à son carré Grand Slam, et ça sent, donc tant qu'il n'arrivera pas à démarrer idéalement un jeudi à Augusta... ça se finira malheureusement toujours un peu comme ça, en mode « Ah, dommage !» parce que la réaction qu'il a, elle est folle. Enfin, je veux dire, les 36, les 60, les 54 derniers trous qu'il fait, ils sont dingues, ils sont ahurissants, quoi. Que de bogeys. C'est ça. Voilà. C'est rageant, Greg. Hein. Ouais, c'est rageant, bien sûr. Après, est-ce qu'il aurait joué comme ça sans faire son plus 3 du premier tour ? De toute façon, c'est comme ça. Hein. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a une certaine similitude avec, je pense qu'on a prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais avec le 10 de Tiger Woods sur le 12. Derrière, comme par hasard, il fait 5 birdies sur les 6 trous qui suivent. Bah, je trouve qu'il y a un certain lien dans ces deux choses. C'est que les deux, pour autant, après le plus 3 et après le 10, n'étaient pas du tout en mode « bon, allez, j'en ai plus rien à faire, de toute façon, etc. » C'est deux champions immenses qui étaient concentrés pour le deuxième tour et au départ du 13, probablement d'une manière décuplée. Et avec un certain brin peut-être de liberté et de bon allez maintenant j'y vais, je donne tout, se sont éclatés derrière et c'est probablement ça qu'il faut retenir. Et il en a peut-être effectivement très concrètement appris beaucoup plus dans ce Masters que dans les précédents. On verra. Moi je crois que Rory gagnera ce Masters un jour. Il joue trop bien pour ne pas rejouer la gagne très souvent. Et puis ça lui tient énormément à cœur et encore une fois l'expérience, ça reste un joueur assez jeune, l'expérience va l'aider et tout ce qu'il emmagasine en ce moment, s'il arrive à le tourner en positif, je suis sûr lui servira un jour. J'ai une question tiens, pour toi Greg qui est un joueur de très très haut niveau et qui connaît ce genre de... Voilà, est-ce qu'on peut sur certains parcours là où on a connu des déboires comme Rory a connu, enfin je veux dire on parle quand même d'un bonhomme qui menait après 54 trous et qui fait 80 en 2011 pour finir 15e. Est-ce que on garde parfois des espèces de cicatrices plus ou moins conscientes sur des démons, tu veux dire ? Ouais, des démons, des cicatrices, t'appelles ça comme tu veux. C'est possible. Je vais te sortir un exemple. Dustin avait 6 coups d'avance je crois en 2010 à Pebble Beach pour le départ du dernier tour. Et il a fini lamentablement sa journée en faisant 82. Bah, il avait 4 coups d'avance là au départ de ce dernier tour et il gagne avec 5 coups d'avance. Est-ce que ce qu'il a fait en 2010 et d'autres fois dans sa carrière, parce que c'est pas la seule fois. Mais là, ça se passait sur le même parcours, sur le même tracé, sur les mêmes conditions à Augusta National. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que si tu es un grand champion et que tu vas au bout des choses, tu arrives à combattre tes démons. Et c'est, à mon avis, des champions hors trempe, Rory et Dustin. Et je pense que Rory, malgré le fait qu'effectivement c'est arrivé à Augusta et que ça l'a marqué, bien évidemment, je pense qu'il arrivera à passer outre et que cette victoire, si un jour elle vient, sera la meilleure de toute sa carrière, grâce finalement à ses déconvenues. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut le percevoir. En tout cas, moi je pense que Rory aura de belles choses à jouer là-bas à l'avenir. Ouais, on le rappelle qu'il finit 5e, il finit 5e quand même les gars, 5e du Masters après avoir joué 3 au-dessus le premier jour. Ouais, je voulais avoir ton avis aussi Greg sur, il disait Rory, j'arrive souvent stressé sur des tournois sur des tournois majeurs et surtout comme à Augusta. Toi, pour gérer ce stress, tu fais comment quand tu as un grand rendez-vous qui arrive? Je pense que tu es aussi stressé qu'un Rory ou qu'un Tiger, la pression de l'enjeu. Comment tu fais pour évacuer tout ce stress et partir En fait, je me dis que c'est normal. Je vis avec en me disant que ça serait probablement anormal de ne pas être stressé et qu'on l'est tous. Moi, j'essaie de vivre avec le mieux possible et d'avoir un entourage autour de moi qui me permette de m'évader assez facilement et assez naturellement pour tromper un peu mon esprit. Donc avoir des amis, avoir son coach, passer du bon temps, discuter de choses et d'autres et le fait d'arriver à sortir ton esprit un maximum de l'instant présent et de l'importance du moment, moi m'a souvent beaucoup aidé. C'est souvent comme ça que je m'y suis pris, mais je suis toujours parti du principe que c'était normal de ne pas dormir la veille d'un dernier tour important, après avoir fait un bon premier tour et se battre pour le cut le lendemain, que ça soit dans un British Open ou un Open d'Écosse ou un Open de France même. C'est juste normal d'avoir une nuit un petit peu agitée et d'être tendu au départ du 1 le lendemain. Je pense naturel et j'essaie de vivre avec. Simplement, j'essaie de tromper mon esprit de temps en temps avec des choses naturelles et assez simples. Alors on a une question. Question prioritaire. Tu as raison. Voilà, on a une question de Philippe Guérin qui nous dit, d'après vous, est-ce que le fait de jouer sans public est un avantage ou un handicap pour les participants ? C'est un énorme avantage. C'est un énorme avantage. Tu t'enlèves une pression en moins. Tu as juste à gérer toi et le parcours, et éventuellement les autres. Mais alors peut-être que pour un Woods, ça a été un désavantage. Pour les poursuivants, oui. Pour celui qui mène, non, clairement pas. Pour les poursuivants, oui, parce que tu te nourris de l'énergie du public. C'est pas nouveau, ça. D'ailleurs, pour les rookies, je pense que c'était un avantage de jouer sans public aussi. Greg, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tout de suite, j'ai un petit souci de batterie. Je suis désolé, je reviens dans 1 minute. D'accord. J'arrive. Désolé. En fait, il va aux toilettes. Un souci de batterie interne, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on vous rappelle à tous nos auditeurs, tous les gens qui nous regardent, que vous pouvez poser vos questions sans problème à Grégory. Même les plus débiles, on est là pour ça aussi. Surtout les plus débiles. Oui, surtout les plus débiles et surtout pour moi. En parlant de trucs débiles, et je viens de voir ça de mon cher et tendre Benjamin Cadieux, notre cher et tendre à tous, qui vient de tweeter le sac de DJ Dustin Johnson cette semaine sur ce Masters. Et tu sais qu'il joue un boisset cette semaine, Dustin Johnson. Un boisset. Voilà, un boisset de 21. Est-ce qu'il l'a souvent sorti cette semaine? C'est une bonne question, j'ai pas vraiment fait gaffe, mais il jouait un boisset. Voilà. Pour son yardage, ça devait être intéressant pour lui, et je trouve ça assez cool. Je me demande même si c'est pas la première fois qu'un vainqueur du Masters joue un boisset. Oui, en jouant moins 20, ça peut être. Voilà. Ce serait une bonne stat à savoir, ça. Alors, Rémi Rivière, est-ce que des photos de la cérémonie de la veste verte sont disponibles ? Je ne crois pas encore. Ça prend toujours un peu de temps. Martin, vous le savez, hein, c'est toujours pareil, hein, le cérémonial de cette veste verte. Mais là, cette année, il n'y a pas de cérémonial, il n'y a pas de public, et puis je crois qu'ils sont en mode on va vite, parce qu'il y a la NFL qui reprend assez vite, donc il n'y a que la Butler Cabin cérémonie, donc la cérémonie classique dans la petite cabine, qui est une des cabines à côté. Oh, tiens, revoilà Greg. Voilà. Ah, revoilà Greg. Ça va mieux ? On a fait la petite pause, la petite commission ? Ah, sorry. Il remet ses oreilles, il va demander. Moi, je suis désolé. C'était la petite ou la grosse commission ? Voilà. Non, alors justement, on en parlait, Greg, on voulait avoir ton avis sur le fait de jouer sans public. Est-ce que c'était un avantage ou un handicap pour les participants ? Non, je pense que c'est un avantage. Ça enlève quand même pas mal de pression. Et puis, tu entends ce que font les autres. Tu entends le public qui gueule, qui hurle, alors tu sais pas pour qui c'est, mais tu calcules à peu près le trou, donc tu te dis que c'est peut-être pour ton adversaire direct, tu sens que, et puis toi tu regardes le début de partie de Dustin et des deux autres, tu peux voir que le public est en train de peut-être pas te charrier, mais tu vas sentir dans les yeux peut-être des choses qui vont te frustrer. Bref, c'est forcément pas une chose facile à vivre. Non, je pense que là, ils étaient dans dans une partie finalement assez pas classique. C'est un dernier tour de Masters, bien sûr que non. Mais en tout cas, il y avait un certain bien-être qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre dans ces grands tours de compétition, notamment dans les derniers tours. Alors, on a une question aussi intéressante de Anne-Marie Nathan qui nous demande, est-ce que le fait de commencer du premier ou du 9e trou, je pense qu'elle devrait dire le 10, a une influence sur le jeu ? Est-ce que ça a une influence sûrement sur la stratégie d'ailleurs, ou pas du tout ? Oui, ça a une influence. Partir au 10, c'est pas facile. Vous attaquez tout de suite deux trous compliqués avec un 12 hyper facilement. Et puis on voit tous les ans, parce que Tiger, il fait ça cette année. Mais l'an dernier, tous les challengers de Tiger se sont plantés au 12. L'an dernier, c'était Fino, Coppola, Molinari, tout le monde s'est mouillé. Tous mis dans l'eau. Donc, non, c'est le trou, c'est un juge de paix. Dans la main corner, c'est vraiment le juge de paix. Et là, tout à coup, c'est pas le 12, c'est le 3. Donc, c'est quand même pas facile. Non, c'est vraiment dur de partir du 10. Après, il y a sûrement des très bons scores qui sont faits en partant du 10. Si jamais tu pars justement bien et que tu arrives à faire des birdies justement au 13 et au 15, ta partie est lancée, tu as le 2 derrière, le 3 qui est quand même assez court. Tu peux faire une bonne partie, mais je trouve ça plus dur de partir du 10. Ouais. Alors, justement... on en parlait de ce trou numéro 12 et la déconvenue de Tiger Woods qui a fait un trou catastrophe, 10 sur ce trou-là. C'était alors que Rémi me dit dans l'oreillette qu'on a la remise de la veste actuellement, une photo en image. Avec donc Tiger qui remet la veste, comme de tradition veut, le tenant du titre remet la veste verte au nouveau champion, sauf quand c'est lui-même qui succède à lui-même, auquel cas c'est... Et nous allons découvrir ces images en même temps que vous. Et voilà. Et tac, oh elle est belle, hein, t'as vu ? Elle est belle. C'est la chic. Ce qui sera marrant, c'est de savoir quel type de dîner à des champions il va proposer, DJ. C'est une bonne question, je sais pas. Des chips, des frites, j'en sais rien. ou un truc totalement des escargots. Tu sors le menu complètement dingue. Okay. Ah, je crois pas. Ouais, et qu'est-ce que tu crois ? Ça va rester classique, hein, burger, milkshake. Ou alors des chèques de protéines. Oui, ouais, bref, passons à des choses, des considérations peut-être un peu plus intéressantes que le. Alors, en tout cas, merci Rémi pour la photo. C'est du direct, c'est les joies du direct. Donc on va revenir sur Tiger. Tiger, avec cette déconvenue au 10, 3 balles, au 12, pardon, 3 balles dans l'eau. Et Woods n'avait jamais réalisé un tel score sur un trou au Masters déjà, et puis dans un majeur. C'était son premier 10 tout court en carrière pro, en 23 784 coups, je crois, de mémoire sur le PGA Tour. C'était assez hallucinant. Greg, quand on voit un truc comme ça à la télé, on a de la peine pour le joueur, on se met dans sa peau à ce moment-là. Moi, j'avais beaucoup de peine, ouais. Sur le moment, c'était, c'est triste. Bien sûr, j'ai quelques groupes de WhatsApp de copains. C'est à ce moment-là que ça a le plus buzzé, hein, de toute la soirée, même de toute la semaine, je crois. Tiger a encore reconfirmé que le golf est souvent un sport où on est tout seul, quoi, dans les bons ou dans les mauvais moments. Voilà. Ah, non, mais là, c'est dur, surtout. Alors la première dans l'eau, la deuxième, le wedge il est pas si mal joué, hein. Franchement, elle spin très bien, là il met dans le bunker, elle a fusé dans l'eau, quoi. Non mais le cauchemar. Par contre, ce bunker là, alors pour parler de ma tronche, mais c'est juste pour les besoins de machin. Quand j'ai eu la chance de jouer ce parcours là, je suis allé visiter ce bunker là. Parce que Martin, faut préciser que quand on couvre le Masters, il y a une loterie pour le jouer le. Et quand on a une moule comme ça, comme moi et comme Benjamin Cadieux, avec qui j'ai joué d'ailleurs la partie, mais on s'en fout, c'est pas très ça qui est intéressant. Donc je suis allé dans ce bunker là et il faut absolument pas s'y retrouver. Enfin c'est un enfer sur terre, surtout avec cette position de drapeau là et surtout dans la position. La pente dans laquelle il était. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu l'espèce de position. Ah ouais, non, mais il était très mal. On n'a pas de shot et on ne se rend pas compte de la petitesse, de la faible profondeur qu'il y a. On ne voit que l'eau, on ne voit que la descente. Enfin, c'est un enfer. Ouais, et en plus, quand il y a du public, ça doit être un enfer. Et quand il n'y en a pas, c'est du délire. Et donc, voir Woods se remettre dans l'eau, donc il fait 3 balles dans l'eau, je crois, c'est ça. Ouais, c'est sa troisième. Et là, c'est la marche de l'enfer. Quand tu vas jusqu'à l'endroit où tu vas te redropper. En plus, je crois qu'il a remis bunker derrière, encore, pour faire sortie de putt. Je crois que c'est comme ça qu'il fait 10. Ouais, c'est ça. Il se redroppe dans le bunker, il sort du bunker un peu trop court. Il se redroppe dans le bunker. Il fait le chip putt. C'est sûr que c'est très dur. Mais moi, j'ai juste envie de parler de sa réaction. Franchement, derrière... Ouais, d'ailleurs, c'est ton coup de cœur du jour. Ouais, c'est mon coup de cœur. Au début... je pensais que ça serait ailleurs, mon coup de cœur, mais là, cette réaction, elle est magique. Et le mec fait encore parler de lui alors qu'il ne gagne pas. Et là, il nous a montré une vraie réaction de champion. Et je pense qu'on est un paquet à pouvoir en prendre de la graine. Et j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'ont vu et qui ont vu ça. Parce que quand Tiger Woods est capable de faire 10 sur un trou, sans broncher, hein, parce qu'il n'a pas bronché, un comportement impeccable. Ça remet les pendules à l'heure sur certaines réactions quand on fait double bogey ou triple bogey, alors qu'on se croyait au-dessus du lot et au-dessus des nuages. Tiger fait 10 sur un par 3 en plein tournoi majeur. Il n'y avait pas un brin d'air en plus, hein, donc c'est quand même un coup de 145 mètres, ça va, je pense qu'il a connu pire dans sa carrière. Mais par contre, derrière, c'est magique, il a un putt pour eagle au 13. Et puis derrière, il fait birdie 15, 16, 17, 18, avec super putt au 18, plein milieu de trous. Ce qu'il n'avait jamais fait en carrière au Masters, d'ailleurs. Ce qu'il n'avait jamais fait non plus en carrière. Donc, tu vois, il pète des records sur les 6 derniers trous. Il pète 2 records. Non, c'est ça, c'est clairement mon coup de cœur. Et ça m'a fait autant de bien que son 10 m'a fait du mal, en fait. On l'a vu quand même un peu fatigué de sa semaine, Tiger Woods, hein. Ses journées à rallonge, son dos qui grince, c'était pas un Masters de tout repos pour lui. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas un Master de tout repos. Et puis, en tant que defending champion, c'était pas facile d'arriver là. Et, et d'autant plus de vivre ce moment délicat dans cette dernière journée. Non, ça a été probablement une semaine assez éprouvante pour lui. Malgré tout, je pense que dans son jeu propre, il n'est pas si, probablement pas si mécontent de lui. Et je trouve qu'il a montré plein de bonnes choses. Vraiment. Alors, on a un petit souci technique, là. Je crois qu'on ne nous voit pas à l'écran. Greg, on ne voit pas à l'écran. Donc, je te propose de relancer ta caméra, peut-être, pour voir si ça marche. Rémi, qu'est-ce que tu me dis à l'oreillette ? Même moi, je relance ? Il y a des aléas directs, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est tributaire de comment ça s'appelle, de la technologie, de tout ce tralala. J'espère qu'on m'entend au moins, qu'on puisse entendre toutes mes bêtises. Parce que, bon, ouais, est-ce que le son est bon ? C'est bon, là ? Le son a l'air bon, donc voilà. Et ben, tu sais, bon, quoi, continuons en mode radio. Mais comment est-ce que… Ouais, alors il y a justement la décla de Tiger qui disait « C'est un sport où l'on se sent parfois terriblement solitaire, vous devez toujours vous battre, vous êtes seul dans les bons et les mauvais moments. » T'as connu, toi, des moments, Greg, où tu t'es senti incroyablement seul Oui. oui, j'en ai connu un. J'en ai un qui est encore gravé. On en a un petit peu parlé d'ailleurs hier. C'est ce dernier tour que j'ai fait au Deutsche Bank. Je mène de 2 points. Je fais 82 le dernier tour. Je joue avec Padraig Harrington au dernier jour. Padraig fait une bonne journée, finit 2e ou 3e, je crois, mais c'est Trevor Immelman qui gagne en jouant devant moi, et moi j'étais absolument inexistant avec un triple bogey au 14, je crois. Bon, c'est un souvenir horrible, mais c'est comme ça. On ne peut pas espérer jouer longtemps sans vivre des moments de grande solitude comme celui que j'ai traversé en 2004 ou peut-être pas à la hauteur de ce qu'a vécu Tiger tout à l'heure, mais en tout cas on est obligé de passer par là, c'est obligé, comme Dustin Johnson regrette probablement amèrement certains derniers tours de tournois majeurs. C'est comme ça, c'est le lot de tous ces professionnels qui s'entraînent dur et qui se donnent beaucoup. À un moment donné, ça ne sourit pas forcément, mais par contre quand ça sourit, c'est d'autant plus plaisant et on le vit d'autant mieux. Ouais. D'ailleurs, on a une remarque de Nicolas Doblin qui dit: est-ce que Tiger Woods va gagner en 2021 après ce 10 au 12 le dimanche, comme l'avait fait Booba? C'est vrai qu'il avait fait 10 au 12 en 2013 et il avait gagné en 2014. Et d'ailleurs, je crois que Garcia avait fait aussi 13, mais c'était au 15 en 13, 2018. C'était au 15, c'était en 2018, c'est exactement. Donc, c'est la 3e fois de l'histoire, en gros, qu'un vainqueur, un tenant du titre au Masters fait un gros score comme ça depuis 2013. Donc, voilà. C'est les fameuses stats qui servent à rien, mais qu'on aime bien les dire quand même. Oui, exactement. Messieurs, je vous propose de passer, si vous avez plus rien d'autre à dire sur Tiger, à passer à notre… Si, juste dire qu'il a fini quand même 38e à -1 et qu'il finit quand même sous le par en faisant 10 sur un par 3. Voilà, juste, après j'arrête. Ouais. T'as raison. On va passer au French Corner avec Victor Pérez. Victor Pérez ou l'apprentissage d'un week-end à Augusta. Ouais. C'était pas simple, mais d'ailleurs je vous propose de l'écouter tout de suite. Victor, on va réagir après. Dans l'ensemble, je reste quand même très content. Voilà, des conditions plus difficiles aujourd'hui, avec plus de vent, mais j'ai réussi à faire un bon birdie pour finir, ce qui rend la journée dans le parc, ce qui est quand même plutôt bien dans des conditions un peu plus venteuses. Hier, des difficultés sur les greens, avec un allée où j'ai vraiment bataillé. Je me suis mis dans une position difficile sur l'ensemble de la semaine, mais je reste quand même très content. C'est vrai que de ne pas avoir à attendre justement toute l'année avant le prochain Master, c'est un avantage de pouvoir avoir quand même une bonne mémoire. Et t'as coupé le micro, Rémi, non ? Et de revenir ici dans 5-6 mois. Merci. Donc Victor Pérez, ou l'apprentissage d'un week-end à Augusta, donc, qui déclarait qu'il était globalement satisfait quand même de sa semaine. Et qu'au final, pour lui, c'était pas plus mal que le prochain Masters soit seulement dans 5 mois, si tout va bien, car il avait pris un peu ses marques. Évidemment, semaine positive globalement pour Victor. Faut pas rappeler qu'il évoluait sur le Challenge Tour quand même il y a seulement 2 ans. Donc ascension incroyable. Donc je sais pas ce que t'en penses, Greg, mais bon. Bah, c'est fabuleux, c'est génial. Le mec joue au Challenge Tour il y a 2 ans, pardon. Je joue au Challenge Tour il y a 2 ans. Ton téléphone en tombe tellement il est ouais, bah, Victor m'en perd à nouveau, je peux te dire. Hein, voilà. Ouais. Non, mais super. Il joue au Challenge Tour il y a 2 ans et il fait le cut à Augusta dans des conditions vraiment particulières. Non, c'est fabuleux, c'est génial. C'est une très très belle semaine. C'est bien qu'il reste sur une note positive. Il aurait pu être un petit peu frustré de son week-end parce qu'il était quand même très très bien parti. Il y a ce samedi qui lui coûte un peu cher. J'ai vu qu'il rentre un beau putt au 9 pour finir sa semaine. Ça doit lui mettre un peu de baume au cœur. Et il a fait le par pour la première fois sur le 10 aussi. Hein. Faut le noter. Et il a fait le par pour la première fois sur le 10. Bon, bah écoute, tu vois, mine de rien, c'est quand même, il se fait battre par le parcours qu'une seule fois en 4 tours. Bon, ça veut tout dire et rien dire, mais quand même, dans la tête, tu te dis, j'ai quand même battu ou j'ai fait égalité avec Augusta National pour les Masters en condition Masters. On peut évidemment discuter des conditions Masters qui n'étaient pas vraiment des conditions Masters comme on le dit depuis le début, mais quand même. Et c'est vrai que ce petit 8 mètres au 9, la craque pour faire le par et faire merci les amis et finir finalement 46e, ce qui est ni bien ni pas bien. Ce qui, pour prendre rendez-vous pour l'année prochaine, tout simplement. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Et puis lui, j'imagine qu'il a quelque part dans sa tête un petit peu le fait que Dustin Johnson ait gagné et que Dustin Johnson a à peu près la même forme de jeu que Victor. Victor est quelqu'un d'assez puissant qui a tendance à avoir cette trajectoire de fade. Il est extrêmement appliqué. Il a également un très très bon wedging. Je trouve que c'est un jeu trop de proportions gardées, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, il y en a un qui domine le golf mondial et l'autre qui rentre dans cette cour des grands et récemment d'ailleurs par la grande porte. Ouais, 36e mondial quand même. 36e mondial, hein, donc c'est avant cette semaine. Mais il a un jeu qui pourrait ressembler pas mal à celui de Dustin Johnson et donc peut-être en apprendre et regarder un petit peu justement les stats et s'appuyer un peu là-dessus pour l'avenir. Et puis pas tomber dans le piège que certains ont pu mal vivre par le passé, comme par exemple Martin Keimer qui a voulu changer de trajectoire pour justement gagner Augusta et vouloir taper en draw absolument, qui s'est un petit peu perdu là-dessus et qui a du coup enchaîné quelques saisons médiocres. Voilà, avec cette expérience, peut-être que Victor se dira mais en fait il y a tout un tas de tournois qu'on pensait que je ne pourrais pas gagner, qu'en fait je vais peut-être gagner et je vais peut-être faire très bien parce que des mecs qui jouent à peu près comme moi s'en sortent vraiment bien. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'il retienne, Victor. Alors justement, Victor, on le sait, il a fait quelques tournois sur le PGA Tour après cette première, après on va dire le confinement. Évidemment, le premier confinement, ouais, ça s'est pas super bien passé, mais pour autant, il n'est pas dégoûté des États-Unis et compte bien y retourner et réussir à s'imposer là-bas. Hein. Et justement, en plus, tant qu'il est dans le top 50 mondial, il aura, j'ai envie de dire, le luxe de choisir sur quel circuit il pourra évoluer, quoi. On va dire que c'est un grand plus quand même, Greg. Ça. C'est un grand plus. Ça serait dommage qu'après 2 ou 3 mois de PGA Tour, il soit déconcerté et qu'il ne veuille plus aller là-bas. Non, je pense qu'il a ça en tête. C'est un grand champion qui a, je pense, de grands objectifs. Qui est extrêmement lucide, qui a un très bon entourage sur lequel il peut s'appuyer. Mais je pense que l'avenir pour lui se passera là-bas, surtout qu'il a quand même une certaine aisance là-bas. Il a été, je crois, quelques années en fac là-bas, hein, Victor. Ah ouais, évidemment, sa fac le nom de sa fac m'a échappé, mais oui, il a passé 4 ans là-bas. Il a joué avec Gavin Green d'ailleurs là-bas, donc il a été sur le très très haut niveau universitaire américain. Donc ouais, il a une culture anglophone. Il habite en Écosse. Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un qui est enraciné en France évidemment. Sa famille est toujours là. Donc, voilà, mais c'est quelqu'un qui a quand même cette vision de Nouveau-Mexique, voilà. Merci Rémi qui souffle dans l'oreillette. Qui ne souffle dans l'oreillette, souffle pas trop fort, ça fait mal quand même. Nouveau-Mexique, c'était ça. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a déjà la culture et qui a déjà l'habitude en fait de cette culture-là. Et je pense qu'il peut s'y retrouver, il peut s'y trouver là-bas. Vous pensez, Greg, tu penses qu'il est bien, on va dire bien installé dans le top 50 mondial, Victor, là, c'est pas juste un épiphénomène. On peut être bien installé c'est évidemment difficile à dire, mais on peut être bien installé dans le top 50 mondial quand on évolue sur le PGA Tour. C'est dur d'y rester quand on est sur le Tour européen. Il va falloir qu'il s'exporte, qu'il joue beaucoup là-bas. Après, qu'il joue évidemment, qu'il garde sa carte en Europe et qu'il fasse des saisons comme un Darren Clark pouvait faire il y a certaines années, c'est-à-dire les plus grands en Europe, beaucoup sur le PGA Tour et les majeurs et les WGC, mais ça fait beaucoup de voyages, c'est des saisons extrêmement éprouvantes et c'est extrêmement longue. Peut-être qu'il voudra s'installer comme beaucoup l'ont fait ces dernières années. Je pense à un Stenson, je pense à un Paul Casey, je pense à Rory évidemment, s'installer durablement aux États-Unis et jouer essentiellement le PGA Tour pour peut-être revenir en Europe faire un Open de France ou un Open d'Écosse ou un Dunning-Links parce qu'il l'a gagné. Ou ouais, comme Thomas Levet l'avait fait à son époque, je pense, sa maison en Floride. Tout à fait, comme Thomas Levet l'a fait. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que Victor a des meilleures armes que Thomas à l'époque, parce que Thomas, c'était quand même... c'était au milieu de sa carrière. Victor, lui, a déjà fait sa fac là-bas. Il est très habitué à cette manière de vivre et je le sens déjà aujourd'hui quasiment prêt à enchaîner les saisons sur le PGA Tour. Il a passé quelques mois délicats, mais je pense qu'il ne faut pas du tout retenir ça. Moi, je retiens que c'est un joueur qui, lorsque les événements sont de plus en plus grands et qu'il est en forme, est très performant. S'il arrive à se mettre régulièrement justement en forme et à bien sentir son swing, je pense qu'il s'installera confortablement là-bas et je pense qu'il a tout intérêt à faire ça. Tu veux que je te dise, moi, ce qui me fait penser que ce joueur-là... Mais dis-nous, Martin. Oui, je sais, évidemment que je vais te le dire. C'est une question pour la forme. C'est son caddie, JP Fitzgerald. Moi, ça, c'est depuis qu'il bosse ensemble que je me suis dit... L'ancien caddie, entre autres, de Rory McIlroy. Et ce genre de caddie-là ne choisit pas ses joueurs par hasard. Ça, c'est une certitude absolue. Et là, d'ailleurs, il n'était pas avec lui sur le PGA Tour quand il y était au début d'année. Donc, ça peut aussi expliquer... Ceci peut expliquer un peu cela, même si, encore une fois, c'est lui qui tire les shots. Mais l'influence positive et l'influence dans le discours, dans la stratégie, dans l'approche du très, très haut niveau... Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de lire les longues interviews qu'on a fait avec Victor dans les journaux du golf de cette année. Il ne la cache pas, cette influence-là. Et elle est prépondérante pour vraiment aller chercher justement petit à petit ces marches vers le très, 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 très haut niveau. Donc ça, pour moi, c'est un des facteurs clés qui me fait dire qu'on n'a pas fini de le voir très, très, très haut, très, très souvent, quoi. Allez, affaire à suivre. Ouais, Greg, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je suis d'accord. Je pense qu'il a cette faculté de très bien s'entourer. Et c'est extrêmement important. On parlait de Dustin Johnson tout à l'heure et de son entourage, avec son beau-père qui probablement, dans tout un tas de dîners, lui a dit ce qu'il devait faire et comment il devait penser et suggérer tout un tas de choses de très, très haut niveau. Que Dustin Johnson a probablement bu avec beaucoup d'appétit et il a un coach de renommée, il a un coach physique très performant. Voilà, aujourd'hui, l'entourage, c'est 50, 60, 70%, je ne sais pas le pourcentage, mais c'est extrêmement important pour rendre un joueur performant. Et quand on a quelqu'un d'aussi méticuleux, appliqué, consciencieux que Victor Pérez, on a clairement une pépite, hein. Et effectivement, l'ancien cadet de Rory ne s'est probablement pas trompé, et c'est probablement aussi pour Victor rassurant de voir que des personnes comme de la trempe de JP s'intéressent à lui. C'est aussi galvanisant, et ça vous aide probablement à être encore plus performant. Et je crois qu'il l'a écouté très sérieusement dans tout leur début de relation. Et je sais que Victor a fait drastiquement évoluer son jeu par rapport à ce que JP lui demandait. Et ça a été une grande réussite, puisqu'ils ont gagné le Dunning-Links assez rapidement après le début de leur collaboration. Ouais, en tout cas, ça fait du bien au golf français de voir un joueur comme ça qui est régulièrement dans les majeurs, au Masters, dans le top 50 mondial. C'est essentiel. Ça, c'est super pour tout le monde. Pour nous tous, ça fait beaucoup de bien de voir un joueur qui, effectivement, s'installe. On a beaucoup de très bons joueurs. Et rappelons-le qu'il était sur le Challenge Tour il y a 2 ans. C'était 2018 Challenge Tour, 2019 sa victoire au Dunhill et là le Masters. C'est une ascension. Ouais, ça va vite. C'est super, ça va vite, c'est super. Mais comme tout un tas d'autres joueurs de nationalité vont vite. Bien sûr. Il faut prendre certains trains en marche. Lui, en tout cas, n'a pas loupé cette première étape, mais les carrières sont longues, pas forcément faciles. Il y a des éventuelles blessures, des éventuelles déconvenues à gérer. Tout reste à faire, mais en tout cas, c'est un très bon début. Ce que je trouve aussi vachement intéressant, c'est la façon qu'il a eu. très rapido, c'est la façon qu'il a eu de réagir justement à ce petit coup de mou un peu d'après-confinement, parce que, je veux dire, avant qu'on se fasse confiner, il était en pleine bourre, il venait de faire deuxième à Abu Dhabi, il était reparti comme ça en mode ultra vénère, et c'est évident que cet arrêt total du golf et de la possibilité de s'entraîner lui a fait un peu de mal, même si il ne va pas te dire que pas taper de balle, ça lui fait du bien, mais bon quand même, et c'est clair qu'il a eu cette petite vague un peu descendante, et c'est là que son entourage global, on a nommé JP puisque c'est son caddie, mais il y a évidemment Mike Maguire qui est son coach depuis toujours et sur lequel il s'appuie depuis toujours. Il y a Joe Suchat, son agent, Ben Shear qui est un énorme préparateur physique. Tu as Deborah Graham avec laquelle il travaille, qui est la préparatrice mentale de joueurs comme Rory McIlroy aussi, Jérémy Da Silva, Phil Canyon côté putting. Donc il y a une espèce de galaxie qui est créée autour de ça et qui lui fait énormément de bien et qui permet d'aller dans cette direction-là et qu'ils se connaissent parfaitement. Et même si, évidemment, cette 46e place, c'est pas à se taper le cul par terre, pour parler trivialement, ça reste quand même vachement encourageant vu la forme globale de son jeu après confinement, quoi. Mm-hmm. Allez, messieurs, je vous propose de passer à la suite. Et justement, je vais prendre une question de Marc Burgeron. J'espère que je n'écorche pas votre nom de famille. Voilà, qui dit « J'adore regarder le Masters tous les ans. » Et il est vrai que je n'ai pas vraiment accroché cette année, dû certainement au manque de public, aux horaires décalés. Greg, quel est ton sentiment sur ce Masters ? As-tu pris du plaisir à le suivre ? Et ce qui en vient à notre question suivante, est-ce que c'était un Masters au rabais cette année ? J'ai pris du plaisir, peut-être un peu moins que d'habitude. Je vais pas vous le cacher. C'est vrai que le public manque. On le sait, hein, les événements sportifs depuis quelques mois n'ont plus la même saveur, mais malgré tout j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à suivre cette édition. Il y avait quand même, je trouve, malgré tout beaucoup de choses extrêmement intéressantes, et j'aime bien regarder ces choses-là, la domination de Dustin bien sûr, la réaction de Tiger, ce chipping, ces recoveries, ce wedging, je trouve qu'aujourd'hui ont été vachement mis en avant. On a quand même vu du gros niveau de golf, hein, quand même. Aujourd'hui, on a quand même vu du gros niveau de golf, et dès qu'un mec loupait à peu près un coup, il y avait des chips fabuleux derrière, des super sorties de bunker. Non, il y a beaucoup de super choses qui font que j'ai évidemment accroché, mais il y avait, c'est vrai, un scoring, une domination de Dustin. On sait, hein, quand il y a un joueur qui domine un tournoi comme ça, ça accroche un petit peu moins forcément le téléspectateur et le spectateur. On se souvient, c'était un peu pareil quand Martin Keimer avait gagné, je crois que c'était à l'US Open à Pinehurst, où il avait eu... pas combien de coups d'avance, Martin, oui, je crois qu'il y était d'ailleurs. Oui, j'y étais, il avait tué le tournoi, je crois qu'il avait 4 ou 5 coups d'avance, il se passait plus grand-chose, et puis il y avait une espèce de démonstration, surtout à l'US Open, qui est un parcours qui n'est pas du tout permissif, et où tu peux pas faire des 63 backdoors, des trucs comme ça. C'était comme à l'US PGA l'année 2019, où Kopka était largement en tête, même si Dustin, pareil, avait grignoté quelques places sur les 9 derniers trous, ça avait été chaud pour Kopka. Donc c'est marrant, mais moi j'ai envie de dire que je suis d'accord avec Greg sur le côté Masters au rabais par rapport à l'ambiance, par rapport au public, sur le côté émotionnel qui mine de rien, on s'en rend compte là quand ça se passe pas. C'est ça qu'on aime bien aussi au Masters, c'est ce côté un peu ils arrivent aux alentours de la main corner, il y a du monde, ça crie, ça hurle, machin, Tiger qui aurait fait 10 là-dedans, la foule qui aurait réagi de dingue, là il se passe rien, t'avais trois gars avec des masques qui regardaient comme ça, qui faisait salut, tu avais maximum 200 personnes. Après, c'est comme ça depuis le début de... mais au Masters, je ne sais pas comment expliquer. Et je m'en suis rendu compte quand il y a eu des retransmissions, justement de l'année dernière, justement à peu près aux alentours de la main corner, où tu voyais les réactions de la foule quand Tiger fait son part alors que les autres viennent faire bogey, et inversement. Tu as un vrai échange avec le public qui est auditif. Il y a une énergie qui est auditive et qui était absente. Alors par contre, de l'autre côté, tu peux pas dire que c'est un Masters au rabais vu le nombre de records qui ont été éclatés. Si et que c'est le numéro 1 mondial qui gagne. Et en plus que c'est le numéro 1 mondial qui gagne, qui bat le record de moins 20 sous le par qui a jamais été atteint de toute la vie du Masters. Tu as quand même Cameron Smith qui fait 4 scores dans les 60. Pareil, ça n'a jamais été fait dans l'histoire du Masters. Tu as Tiger qui fait 10 sur un trou. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire du monde, de l'humanité du golf. Voilà, donc de ce point de vue-là... Toujours plus. Toujours plus, ouais. Tu me connais, je suis un peu monsieur plus. Alors, après, peut-être qu'on peut aussi relancer le débat. Peut-être que ce moins 20 est aussi dû au fait que le Masters soit joué au mois de novembre, plus soft. Mais il faut les tirer, les moins 20. Il faut les tirer, les moins 20, quoi. Oui, non, mais bien sûr, on aurait peut-être aussi aimé un peu plus de vent, un petit peu plus de... de difficultés avec des greens un peu plus durs, c'est sûr, mais pour autant, ouais, un petit peu plus de piment. Bon, pour autant, un Masters au rabais, non, non, ça reste une belle édition. Peut-être que la prochaine sera un peu plus piquante. Et puis, on a connu Tiger Woods il y a 18 mois, qui était l'un des Masters les plus excitants de toutes ces dernières années. Donc, évidemment qu'on retient ça et que ce 2020 passe après le 2019, qui était quand même particulièrement excitant. Et là, il y a Olivier Reynal qui nous dit mais tout le public derrière les Tiger ou Justin Thomas aurait peut-être pu mettre un peu une petite pression supplémentaire sur DJ, mais bon, ça on saura jamais. On ne saura jamais. On saura pas. Messieurs, je vous propose de passer tout de suite à l'instant gagnant. Oh, les effets spéciaux incroyables de cette production. Alors, on vous rappelle les principes de ce jeu. Le premier qui donne la bonne réponse, Greg, t'as pas le droit de jouer, hein. Gagne ce magnifique bag tag qui apparaît en bas de votre écran. Attention. Et la question, quelle est-elle ? Alors la question, écoutez bien, on vous demande le nombre de participation française, pas de participants, de participation française au Masters. De participation, hein, pas de participants. Oui. Non, de participation. Il faut donner votre commentaire en bas, là, dans les commentaires, il faut dire « je participe » en mettant 2 points et le nombre de participations et pas de participants. Hein, on est d'accord. À vous de jouer pour gagner ça. Du coup, Greg, on passe au prono ? Non, je déconne. Moi, je trouve que le trou numéro 16 est un beau trou, hein, Augusta, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est bien. Pas vrai, les gars. T'avais fait les ricochets, tout ça ? Ah, j'avais mis dans l'eau, nickel, parfait. J'en avais fait 2. Non, la deuxième, elle était sortie, mais la première, j'avais jamais fait encore des ricochets comme ça. Et puis, j'avais fait paf, 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 et puis elle avait coulé lamentablement. Donc, celle d'après, je l'ai un peu plus appuyée. Je vous arrête, car je crois que nous avons un gagnant. C'est. Donc, évidemment, c'était 16. Alors, 16, on peut vous donner le décompte si vous voulez. On les a, si je retrouve ma petite liste. Donc, il y avait Pellissier une fois, Delamaz, Garayal 2 fois, Ploujou 2 fois, Vandevelde, Levet 2 fois, Julien Guerrier, et toi, Grégory, Victor Dubuisson 3 fois, Romain Langasque et Victor Pérez. Bah ouais. Victor Pérez. Petite question. Et on gagne quoi ? Et qui est Monsieur Pellissier ? Je suis désolé, je suis inculte, je ne savais pas. C'est le premier participant français au Masters. D'accord. Alors je vais retrouver dans mes petites fiches, si tu me donnes. Et donc il n'avait pas gagné le British Amateur puisque. Non, je crois qu'il avait été invité. C'est à l'époque où il y avait des invitations. Ok. Alors attends, tu veux qu'on refasse une recherche vite fait ? Bah écoute, ce nom, c'est un Français qui a joué le Master et c'est la première fois que j'entends son nom, donc je me sens un peu bête quand même, là, tout de suite. Ouais. Pellissier par hasard, Albert Pellissier de son prénom. Ok. Ouais, premier Français à disputer le Master. Voilà, écoute. Mais parce qu'il n'était pas enseignant, il avait été invité, c'était à l'époque... 1952, pour être très précis. Ok, bah écoute. Voilà. Voilà. T'as vu, t'as pris un truc. C'est clair. Et je suis content parce qu'hier, j'avais rien appris. Et tu sais que pour la petite histoire, il joue un tour et puis il abandonne après avoir joué 80. Monsieur Pellissier. On va dire, c'est pas bien ça. Hein. Ah, ben oui, mais il a joué le Masters. Il n'a pas joué le Masters. Il a joué le Masters. C'est la classe. J'espère que c'est pas à cause d'un mauvais score, hein, parce qu'il avait mal quelque part, j'espère. Greg, avant de terminer, déjà merci beaucoup d'avoir débriefé ce Masters, ces 2 tours du Masters avec nous, c'était top. Plaisir. Actu, toi, ça s'annonce comment les prochaines semaines ? Mon actu, écoute, je suis censé décoller pour l'Afrique du Sud samedi prochain, mais je suis encore réserve dans ce magnifique tournoi de Leopard Creek, donc de Kruger, hein. Mm-hmm. Un très très beau tournoi, donc le l'Alfred Dunhill Championship, et ensuite il y a un autre tournoi à Johannesburg, à côté de Johannesburg, à Sun City. Voilà, j'espère partir pour 2 tournois et pas un seul. Et ensuite, on repart en 2021. J'espère sous de meilleurs auspices avec ma KT que j'avais réussi à récupérer l'an dernier, c'est-à-dire 2e des cartes. Donc une KT assez bonne. Je devrais faire une saison assez complète. Voilà. Écoute, j'espère encore une fois prendre cet avion samedi prochain, mais bon, normalement, ça va se passer comme ça. Ton grand jet privé à toi tout seul, puisqu'il n'y aura pas grand monde dedans. C'était incroyable. Avril Line, c'est ça. Cool. En tout cas, merci beaucoup. Merci Martin. Merci infiniment Rémi aussi de nous avoir accompagnés à la technique et tous ces petits habillages. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, c'était top. Merci à tous d'avoir suivi. Ciao messieurs.